Alors, on va parler cette fois-ci de Jean-Bouy Moulomba. Cet ancien gouverneur du Kasaï oriental a annoncé son retour sur la scène politique. D'aucuns le présentent comme le symbole de la résistance dans le Kasaï oriental. Après plusieurs années de silence, c'est ce week-end que l'homme a fait son apparition en public à Mbujimayi. Le premier gouverneur du Kasaï oriental, post-AFDL, a profité de la célébration du 40e anniversaire de l'UDPS par la fédération de Mbujimayi Est pour faire sa première apparition en public après bien deux années. Harangueur de foule, Jean Sampeur Mbouy Moulomba est ovationné par des combattants et combattantes de l'UDPS réunis en sa résidence de Bakwadianga. Heureux de retrouver les siens, toujours mobilisés pour la cause de la nation, l'homme annonce son retour sur la scène politique. Je vous remercie pour avoir lutté et porté d'entre nous à la présidence de la République. Cette lutte doit se poursuivre. Maintenant que je suis de retour, je dois convoquer des rencontres pour discuter de problèmes qui me tiennent à cœur pour l'avenir de vos enfants. Bien avant, l'assistance a suivi une brève historique du parti, de sa création à sa prise du pouvoir. Par la même occasion, la fédération urbaine de l'UDPS Mbujimayi a salué le retour à l'ordre statutaire au sommet du parti avant de solliciter l'entérinement de cette nouvelle fédération de l'UDPS en Mbujimayi. Nous leur demandons l'entérinement de la fédération urbaine de Mbujimayi conformément aux dispositions statutaires, plus précisément à son article 39 qui dispose, je cite, dans chaque représentation. Le président peut nommer un ou des adjoints ou représentants et à chaque fois qu'il a besoin, créer d'autres fédérations dans l'intérêt du parti. Au cours de cette manifestation, l'UDPS, Fédération de Mbujimayi Est, a réitéré son soutien indéfectible au chef de l'État et à toutes les institutions de la République.